La Fondation ENGIE est présente aujourd'hui à Istres pour l'opération Je sais tes jobs portée par l'association Faites le mur. Cette manifestation est l'opportunité de se faire rencontrer des jeunes et des moins jeunes éloignés de l'emploi et le monde de l'entreprise à travers le sport qui sera le trait d'union de cette journée et qui va donner l'opportunité aux entreprises notamment d'identifier des talents. Et la Fondation ENGIE est très très heureuse d'être présente aujourd'hui pour accompagner cette dynamique qui sera l'occasion de magnifiques rencontres. Donc, Je sais tes jobs, c'est une première sur la structure, sur Istres tout court. Je pense que c'est vraiment une réussite. On voit beaucoup de jeunes à mission locale, des centres sociaux qui sont venus participer aussi. Les valeurs sont énormes dans le sport et sont transversables. Donc, c'est parfait pour se découvrir, pour casser un peu ces codes qu'on se met face à un employeur. Donc, je pense que c'est un très bel événement qui se fait aujourd'hui. Félicitations à tout le monde. Je sais tes jobs, c'est un parcours qui dure entre 3 et 4 semaines où on accueille une douzaine de demandeurs d'emploi, donc de 18 à 25 ans en situation QPV. Au sein de ce parcours, il y a plusieurs ateliers, des ateliers tennis, des sorties de cohésion, des visites d'entreprise. Et à la fin de ce parcours, il y aura un job dating, donc comme aujourd'hui. Les demandeurs d'emploi et les recruteurs échangent la balle, ils tapent un peu ensemble. Ça aussi permet de briser une certaine barrière pour ensuite préparer le recrutement qui est juste derrière. Aujourd'hui, on remercie la Fondation ENGIE du coup d'être venue participer à cet événement. Merci à vous d'être là. C'est jovial, il y a de la bonne humeur partout, autant des employeurs que des recherches d'emploi. Après, sportif. On arrive bien à parler avec les employeurs. J'ai commencé par un CAP cuisine, après je suis partie sur un bac pro cuisine. Là j'ai eu de très mauvaises expériences, donc ça m'a un peu découragée. Je suis partie dans la grande surface, dans la boulangerie, dans la manutention, très polyvalente. Et à l'heure actuelle, je cherche un emploi, on va dire, temporaire, parce que je compte reprendre mes études pour devenir professeur des écoles.